voiceofcongo.net, news en real time. Personne au fond, longtemps couvé, et pour le bon, prenons le plus bel élan dans la beurre. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement. Saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Quand on remonte au début ou à la fin du 19e siècle, à l'époque du roi Léopold, plus de 10 millions de Congolais sont estimés avoir été tués. So if we rewind back all the way to the beginning of the 19th century, we'll find that because of King Leopold, about 10 million Congolese people were killed. Il y a 100 ans, c'était pas le coltan, c'était le caoutchouc, c'était l'ivoire, c'était l'or. So 100 years ago, it wasn't coltan. The world needed rubber, it needed ivory, and it needed gold. Et pour ça, presque la moitié de notre population avait été tuée. And because of these natural resources, almost half of our population were killed. Mais aujourd'hui, moi qui étudie au Congo, je peux vous dire que toute personne ayant étudié à l'école primaire ou secondaire au Congo ne connaît pas ça. Dans son cours d'histoire, on ne l'a jamais raconté ce qui s'est passé. As a person who's studied in Congo, it's safe to say that most people who study in Congo are never taught these things. Ce n'est pas dans notre curriculum. It's not in our curriculum. Ça a été effacé de notre histoire. It was completely rubbed out of our history. Et le résultat, je pourrais dire, est qu'on paye le prix aujourd'hui. And it's safe to say that today we're paying the price for that. Parce qu'on n'a pas appris les leçons du passé. Because we didn't learn lessons from history. Alors on s'est dit que aujourd'hui qu'il y a encore 6 millions qui meurent. So we said to ourselves, right, today there was about 6 million that have died. Allons-nous encore laisser l'histoire effacer ce qui se passe de notre mémoire? Are we just going to allow history to be wiped out of our memories? Pour que la même chose se reproduise dans 50 ou 100 ans. So that the same thing can happen again in 50 or 100 years time. Tous les autres peuples qui ont été tués par des millions. All the other groups of people or populations who've been killed in their millions. Ont une journée de commémoration pour ces atrocités. Have a day of commemoration specifically for these atrocities. On n'a pas allé loin, on n'a qu'à regarder chez nos voisins au Rwanda. We don't need to go far if we just look at what's happening. Je suis sûr que tout le monde connaît ici ce que c'est que l'Holocauste. I'm sure everyone here knows what the Holocaust is. Ça a le même son que le génocide. So basically, it sounds similar to the phrase genocide. La raison pour laquelle on a créé ce mot génocide. The reason we created the word genocide. C'était pour que on puisse créer un mot qui pourrait non seulement décrire ce qui se passe au Congo, mais aussi décrire la cause de la situation. So the phrase was created so that it doesn't only describe what's happening in Congo, but it also describes the actual reasons behind it. La première part, géno, c'est court pour génocide. So geno is short for genocide. Et la raison pour laquelle on voulait étudier ce mot, c'est parce que c'est un mot qui n'est souvent évité sur la scène politique. And the reason why we specifically chose this word is because often in political realms, this word is actually avoided. Car qui dit génocide dit qu'il y a des coupables qu'il faut persécuter. So when you hear genocide, then it means that there are people who need to be prosecuted. Alors on préfère le terme conflit ethnique. So people prefer the term ethnic conflicts. On préfère le terme tragédie humaine. Or human tragedy. On préfère même le terme de guerre.
or even conflict war. On appelle ça tout sauf ce que c'est. So it is called everything but what it actually is. Ce que c'est une élimination systématique d'une population. What it actually is a systematic elimination of a particular population. Et quand vous regardez au terme utilisé pour l'élimination systématique de la partie ou d'une population entière, le mot est génocide. So when we look at the word that should be used for a systematic elimination of a population, that word is genocide. Aujourd'hui, on aimerait que le Congolais n'accepte plus qu'on lui dise ce qui se passe au Congo. Today, it is wanted for Congolese people to not be told what's actually going on in Congo. Il est temps qu'on puisse dire ce que nous pensons qui se passe au Congo. Now it's time for us to actually say what we believe is going on in Congo. On n'est plus au 19e siècle. We're no longer in the 19th century. On a des académiques. We have academics. On a des historiens. We have historians. On a des docteurs. We've got doctors. Et on a des citoyens. And we've got citizens. Et on se dit indépendant. And we call ourselves independent. Alors si on est indépendant, so if we're independent, on doit pouvoir dire quelle est notre histoire. Alors, la deuxième partie du mot génocide, le cost ici, ce n'est pas le cost de l'Holocauste. So the cost part of this word isn't similar to the cost in Holocaust. Le cost de l'Holocauste vient du grec cost qui veut dire brûler. The cost comes from Greek, which is from the Holocaust. The cost of Holocaust, which means burned. Oh, okay. So the cost of Holocaust is from the Greek term burning. Yeah. Mais le cost que nous avons ici, c'est de l'anglais, pur et simple. However, this cost is simply English. Et la raison pour laquelle nous utilisons le cost, c'est parce qu'on veut montrer qu'il y a une route économique à notre conflit. So the reason why we put cost here is because we want to show that there's an economic part for our genocide. On ne tue pas les Congolais parce qu'on ne les aime pas. The reason why Congolais people are being killed is not simply because they're not liked. Une tuerie sans raison. And it's not, atrocities are not going on for no reason. Il y a une industrie qui a commencé et qui continue le conflit au Congo. So there's an industry that started and it continues to perpetuate the conflict in Congo. Et c'est pour cela, pour montrer que c'est un génocide avec des racines ou une base économique, nous avons utilisé ce mot, génocide. So we've used this word in order to show that it's a genocide which has its roots in economics. Parce que quand on regarde bien, il y a 100 ans, on produisait environ 60% de la production mondiale de caoutchouc. So 100 years ago, we were producing approximately about 60% of the world production of rubber. Avant que l'Amérique latine et l'Asie puissent grandir, faire pousser les arbres et prendre la production. That was before Latin America as well as Asia was able to grow trees and take over their industry. Et donc les Congolais étaient tués systématiquement pour une grande production. So Congolese people were killed systematically for mass production. À des fins économiques. For financial reasons. 100 ans plus tard, 100 years later, qu'avons-nous appris? Ouais. Oh, what have we learned? On est au même point de départ. Alors, on s'est dit que pour une fois, on ne laissera pas notre histoire être effacée. On voudrait marquer une date que nos enfants et ceux qui viendront après nous pourront se souvenir pour symboliser ce crime contre notre nation. So we decided for once we're not going to allow our history to simply be erased in front of us. We're going to mark a day that our children will observe as well as those who come after them. And we will forever remember the day that these crimes were committed against us. Et pour ça, on n'a pas besoin des millions de dollars. And for this we don't need millions. On n'a pas besoin de bombes atomiques. We don't need an atomic bomb. On a besoin de la volonté. We just need will. Et de l'unité du peuple congolais. And unity within amongst Congolese people. C'est pour cela que vous êtes ici ce soir. And that's why you are with us today. Si vous pensez aussi avec nous que cette date et cet événement doit être immortalisé dans notre histoire,
alors rejoignez-nous. So if you believe that this date must be brought alive in our history, then join us. Parce que aujourd'hui, nous aimerions, ne fût-ce que pour la première fois, marquer une minute de silence pour ceux qu'on a perdus. So today, for the first time, we're going to have a 1 minute silence to commemorate what we've lost. C'est un petit geste. It's a small gesture. Mais c'est un bon début. But it's a good start. Ça ne va pas résoudre la guerre du Congo. It's certainly not going to resolve the conflict in Congo. Mais ça va nous permettre au moins à toujours être interpellés à chaque année, à cette date, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour le Congo. But at least every year it's going to probe us or get us to at least ask ourselves what can we do for Congo. Nengo yo topopola, tambo lambo kanyaso, tele mape otuna, makoloba tenge ya kombato. Nengo yo topopola, tambo lambo kanyaso, tele mape otuna, makoloba tenge ya kombato. Due to the fact that we're running out of time, at this time I really have no other choice but to let you guys go. I would like to thank you from the bottom of my heart for everything you guys have done. Vraiment, nava ému, comme la loba qui n'a pas mon angai à l'élo. Je vous dis, ça ce n'est qu'un début. Ils sont fantastiques. Ils sont vraiment fantastiques. Initiative à Boué. Je me demande comment 500 messages de Totini
bah SMS de Tini, Congolais, est-ce que je comprends ou bien je comprends, mais Balobara, ce qui aux en a moins les Pokémon au Boya bien, hein, bien fait, les amis que aux en a beaucoup belé. Donc moi je considère que crème oyo c'est les lots et kangama pour que événement oyo l'année prochaine et à la 10 fois plus n'engue bubanaki Miss Congo improvement des hommes à chaque année et nous espérons que bah oyo peut l'année prochaine et vous avez souvent ça les amis qui vous étaient et vous allez cette fois là soit autour ou bien ici Kabino Kendarawa. Voilà un peu, c'est, félicitations aux jeunes gens, félicitations, mille félicitations, que continuez de l'avant et tu vous as toujours pour la bac. It was really helpful because it's like I've learned so much that I didn't know before, and it's like as Congolese people we love to talk, you know, we know that there's issues with our country, but it's never spoken of exactly what the issue is. But I feel that today, like, there was a full stamp of okay, like, this is what is happening in Congo, and as a Congolese person I think it's so important to know that. And I think like we was told today that a lot of history, even the Congolese children, like, I'm sure my dad don't know what happened, but for me to know all of this at this stage, I feel really privileged, and I just really hope that Genocos continues to do everything. As a founder and as my partner here of Revive Congo, it's really inspired me to kind of do research, to kind of know where it is that I come from. Not, okay, yeah, just Congo, you know, we like dancing, but Congo, like, this is what we had, and it's kind of been taken away from us. And for me, it's like, what can I do now? Like, although that's history, it's still a country, there's still problems. What can I do? C'est super cool parce que bah qu'est-ce qu'il y a qui va culture bah pour moi un peu bah tout le monde c'est bien pour que les gars bah mon père sur notre problème parce que j'aimerais que ça montre soit pour moi tout ça soit bien unis ensemble. Un big thanks to bah qu'est-ce qu'on organise notre BIP, ça c'est bien en fait et en espérant que l'année prochaine tout bah que ça bouge mon côté pour que comme ça soit disons 7 millions plus comme ça là. Donc quand même c'est ce que ben dit aujourd'hui. Merci à tous. A lot about my country that I never obviously knew. I came here when I was a baby, so it's just literally inspired me to want to do more, to help wherever I can, and literally just to build, you know, just to build friendships with these charities, with your charity, and just to make sure that we can all unite and actually do something together.
Ennemi à Congo, yebisa na classe na université, ba congolais ba koti université belé. Botanga pona mongo te, botanga pona mongo te, botanga pona ennemi à Congo yeyo. Botanga pona Congo na leki na e kanambe inge.